Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 15 mars 2021, direction l'hippodrome de Chantilly pour le prix Sagaro, première course de la Réunion 1, où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Le quintet plus du jour est un handicap divisé de première épreuve portant le label classe 2. Sur le parcours des 2700 mètres de la piste en sable fibré cantilienne, il ne faudra pas hésiter à élargir ses combinaisons car nous pourrions assister à une arrivée surprenante. Une fois encore, l'aptitude au sable sera déterminante comme le fond. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 4, Mondsteel. Il peut encore repousser ses limites. Romain Laudren-Doleuze, son entraîneur, étant en feu actuellement, c'est un coup de poker très amusant à la gagne. En deuxième choix, le numéro 8, Saint-Nicolas. Il est un véritable spécialiste de la piste en sable fibré et son avant-dernière sortie victorieuse au niveau Quintée Plus du côté de Cannes-sur-Mer lui offre une première chance théorique dans ce lot. En troisième choix, retrouvons le numéro 10, Investor. Cheval doué, qui semble retrouver l'ensemble de ses moyens comme l'atteste son dernier succès, il va tenter de confirmer pour son retour au niveau Quintée Plus. En quatrième position viendra le numéro 14, Créative. Beaucoup de capacité pour cette femelle portant la casaque de Mathieu Offenstadt et qui peut terminer très vite afin de s'octroyer une belle place à l'arrivée. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, Allez Henri. Ce pensionnaire de la famille Prodhomme est toujours au top de sa forme à l'âge de 10 ans et compte encore terminer dans le Quintée Plus. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 11, Ranan. Ce pensionnaire de Christophe Escuder a une grande expérience de la compétition. Restant sur un succès, attention à lui aujourd'hui. En avant-dernier choix, le numéro 2, Sous les nuages. Il effectue une rentrée ici, mais les élèves d'André Fab sont actuellement au top d'entrée de jeu. Dès lors, avec Pierre-Charles Boudot aux commandes, il peut faire manche d'emblée. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 1, Chaillou. Il est le top weight de l'épreuve et compte bien faire respecter ce statut en terminant à l'une des 5 premières places aujourd'hui. En cas de non partant, le numéro 3, Magical Forest, qui va tenter de tripler la mise avec l'aide de Christophe Soumillon, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Top Prono indique de nombreux trios, dont un à plus de 1692€, ainsi que de nombreux coups de cœur rémunérateurs. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.